Effectivement un catalyseur de cette rénovation urbaine. Il faut avoir en tête que sur ce territoire de pleine commune, non seulement s'installera le village olympique, mais aussi le centre aquatique, et puis aux branches de Saint-Denis et de la Courneuve, le site pour le waterpolo. Ce que nous en attendons en héritage, c'est d'abord un vrai quartier de ville, les lits qui vont être nécessaires pour accueillir les athlètes et leur staff aux Jeux Olympiques, les 17 000 lits. On a souhaité qu'ils soient transformés en logement de toutes ses formes, logement social comme logement en accession à la propriété, mais aussi en lieu d'activité, des espaces pour des start-up, des coworking, des fab labs, des ateliers d'artistes. Et puis il y a un projet qui nous tient à cœur lié aussi au JO, c'est tout le projet autour de Playel, autour de la gare, qui sera la gare, sans doute une des plus belles gares du Grand Paris Express. Avec cette gare, et bien c'est tout un programme immobilier avec le franchissement autour des voies SNCF qui vont permettre effectivement de requalifier cette ville.